Je me trouve présentement du côté de la base plein air de Sainte-Foy avec un partenaire important parce que oui, ces activités-là, vous les aimez. Vous aimez ça faire de la pêche sur glace, hein? On vous en parle toute la semaine. Bien, c'est important d'avoir des partenaires pour vous permettre d'avoir tout ça. Je suis avec Pascal présentement des Desjardins. Bonjour, bonjour, Kate. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, Pascal. Écoute, Desjardins s'implique dans justement l'installation et dans les activités créées par la base de plein air avec le village de pêche. Donc, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Pourquoi Desjardins a sauté sur l'occasion pour pouvoir participer? Ben oui, mais merci. C'est une très bonne question. Ben oui, c'est notre deuxième année. Pour nous, c'est important. Premièrement, il faut se dire que la base de plein air de Sainte-Foy est tellement bien située. C'est la nature en ville, donc c'est accessible. Fait que ça rejoignait nos valeurs. Puis également, la pêche, ici, ça amène des familles, des jeunes à s'initier à un nouveau sport, à une nouvelle activité dehors. Donc, quoi de mieux que ça? Puis je pense, dans le contexte de la pandémie, être dehors, c'est tellement agréable, c'est tellement bien. Puis écoutez, ça fait que c'est pour toutes ces raisons-là, là, finalement, que pour nous, c'était comme un incontournable là, d'être avec la base de plein air ici pour la pêche sur glace. Là, bien, merci de justement votre implication. Merci de permettre à la relève de pouvoir justement grandir dans tout ça et de les appuyer dans les activités, ainsi que tous les organisateurs en fait de la base plein air de Sainte-Foy. Donc, un énorme merci. On va vous en présenter d'autres tout au cours de la semaine. Donc, merci Pascal de pouvoir nous aider. Merci à vous.